Bon Marie, ça suffit. Je pense que c'est le temps d'aller en pêche, nous changer les idées un peu. On est dû pour ça. Lâche le travail. C'est le temps, là. Ça va faire un grand bien de changer les idées, de sortir du bateau, puis aller voir la faune nautique. Dû à notre ancrage, dû à la direction des vents aujourd'hui, c'est vraiment inconfortable. Mais le problème, c'est que demain, les vents vont changer, ils vont venir plus fort et on va être protégé à l'endroit où on est à l'ancrage. Fait que bouger juste pour une couple d'heures, ça vaut pas la peine. À la place, on va sortir du bateau, on va aller se promener un petit dingy, puis on va aller spotter les petits spots de pêche que j'ai parlé, parce que ici, à Staniel Key, on connaît les places. Il y a une place ici qui a tout à l'inner shark. On va aller voir si on est encore là, je suis pas mal sûr. Enfin, c'est une petite pêche facile ici, c'est pas trop profond. Mais au moins, ça va nous faire débarquer du bateau et arrêter de faire qu'on brasse d'un bord puis de l'autre. C'est pas confortable, mais ça devrait se placer demain, on espère. Il est en train de tout cochonner, là, lui, là. Un autre petit grouper, raspberry, strawberry, je me souviens plus. Mais avec deux petits, ben, on fait un bon souper. Fait que c'est parfait. Trois petits groupers. On était supposé être pour souper, mais ça brasse tellement encore dans le bateau. L'effet aussi de power de mousse, ça nous aide pas. Mais à place, on va manger un repas en canne. Pas grave, il est bon leur poulet. Moi, papette, on va coucher à terre. On n'est pas bien. On va se mettre un petit oreiller pour me coucher à terre. Hein? Imagine ça, lui, il est obligé d'endurer ça toute la journée. Nous autres, on était partis à la pêche. Oui. Il nous l'a dit aussi. Faites-en pas, il nous l'a dit quand on est arrivé. Hmm.
dû à notre malchance de dématage, ben, on prend les bons côtés qui passent, puis on va profiter du temps supplémentaire qu'on a ici au Bahamas pour aller voir les places qu'on n'a pas faites. Et voici aujourd'hui qu'on est à une super belle place. On est dans le parc des Exuma. On n'a pas arrêté dans le parc des Exuma. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas pêcher. Et maintenant, on le fait. Puis en plus, on est dans une super de belle petite place. Super de belle petite place ici. On a l'île de Johnny Depp. Il y a un avion aussi qui est sous l'eau. Fait que c'est du bon snorkeling. Puis il y a un endroit qui s'appelle l'aquarium. Là, je peux vous dire que c'est un hotspot de snorkeling. Fait que ça a l'air que c'est très beau. On va aller voir ça. On a vraiment en profité. On va rester ici au moins 2 jours. Hier, on s'est déplacé pour aller chercher de l'Internet. Parce que où on était en Grèce, Daniel, l'Internet rentrait pas pantoute. Il fallait travailler. On n'a pas le choix. J'ai bien hâte de voir. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de catamarans. De moins en moins de voyers qui restent à ce temps-ci. Regarde, on continue notre chemin. Le retour vers la Floride. Le capitaine n'est pas satisfait de son ancre, donc on va essayer de l'arranger avant de partir pour l'après-midi. L'ancre est vraiment pas bien pognée. Juste piquer un petit peu après le corps de l'ancre. Je vais enlever beaucoup de chaînes et on va reculer encore sur notre ancre pour être sûr qu'elle est bien pognée. Prise 3 parce que l'angle est dans le même état que la première fois. On se sentira pas bien pour dormir la nuit là. Peut-être une heure du nez, bien correct, mais pour dormir la nuit là, c'est jamais ce que la nuit nous réserve. Donc on est mieux de changer de place. On va juste se rapprocher de l'île à Johnny Depp. Peut-être qu'on va le voir, on sait jamais. On va peut-être voir du rhum avec. À l'horizon, pour être sûr qu'on bouge pas. Je check la première fois chez Johnny Depp. Ça a trop mis le tour, on bouge plus. Ça s'en met bien. On va-tu finir par la faire le tour de cette île-là? On ira pas jusqu'au bout, on fera pas nos pirates là, mais on va quand même faire nos fans. C'est bien, il est pas ici. On va aller cogner à la porte. Qu'on disait avec David, c'est que peu importe comment ça y a coûté pour avoir cette belle île magnifique là, en bout de ligne, on a exactement la même vue, ouais, avec notre bateau. C'est beau. C'est ce que j'allais dire, moi. Hein? Ça, c'est le genre d'image qui va faire mal en tabarnouche, mais qu'on soit en train de réparer notre mont Floride. Ouais. Mais ça va être une source de motivation. Ouais. On va voir ces images-là et on va se dire, ah oh, ouais, on a le goût. Ah, c'est vraiment beau, là, c'est écœurant. C'est fou.
spécial. La mer est direct un peu, elle est direct à l'entrée. Ici, on voit les grosses vagues, mais ici, c'est super calme, peut-être 2 pieds d'eau. C'est merveilleux.